Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose donc le Kangourou des maths 2020, c'est le sujet S. Donc, question 9 à 16. Alors, on est parti tout de suite, numéro 9. Deux dés ont chacun deux faces rouges, deux faces bleues, deux faces blanches. On lance les deux simultanément, quelle est la probabilité qu'ils montrent tous les deux la même couleur? Alors, comment on peut faire ça très rapidement? Soit un arbre, soit un tableau. Si vous faites un tableau, vous aurez en fait ici donc 2 pour ce 3 possibilités pour le premier dé. Donc là en haut, je vais mettre premier dé. Donc j'aurai rouge, bleu et blanc. Écu probable, chacune des 3. 2 chances sur 6 à chaque fois pour le dé numéro 2. Rouge, bleu, blanc. Donc, vous voyez, il y a 9 situations possibles. Vous voulez les deux qui ont la même couleur. Donc, on regarde. Là, vous avez la diagonale. Donc, vous avez 3 situations sur les 9. Tout est Q probable. Donc, on veut la même couleur pour les deux dés. Donc, c'est la diagonale qui nous intéresse. 3 cas sur les 9 qui sont tous Q probables. Donc, probabilité 3 sur 9, c'est-à-dire un tiers. Donc, c'est la réponse E. Alors, il y a une autre façon de faire, bien sûr, avec un arbre. Donc, vous indiquez ici les possibilités pour le premier dé. Voilà, bleu, rouge, bleu, blanc. Vous faites pareil. Vous obtenez pour chacun des chemins, à chaque fois, ben, vous avez un tiers. Pareil pour le deuxième dé. Et vous intéressez à rouge, rouge, bleu, bleu, blanc, blanc. Donc, 3 chemins sur les 9 qui ont tous une probabilité de 1 neuvième. Donc, vous voyez qu'on arrive sur un tiers. Dixième. Donc vous avez ici une addition avec plein d'inconnus. Il y a donc 5 inconnus, V, W, X, Y, Z. Voilà, et vous avez donc une addition de 5 nombres qui sont formés avec ces 5 chiffres. Voilà. Combien vaut W plus V plus X plus Y plus Z? Alors si vous regardez ici, qu'est-ce qu'on peut dire? Déjà, à chaque fois, vous avez les 5 lettres là. Hein. Donc, si on fait X plus Y plus Z plus V plus W, ça je vais appeler ça ma somme, donc S, c'est exactement la somme qu'on cherche mais dans le désordre, donc S, S, ben, qu'est-ce qui se passe? C'est une somme de 5 chiffres, donc c'est vraiment inférieur à 100, c'est donc au maximum un nombre à 2 chiffres, ça finit par un 4, donc ici, eh bien, et donc là, un nombre ici, voilà, qui finit par un 4. Alors mes nombres, eh bien, sont entre 0 et 9, donc la somme, oui, est plus petite que ben, 45. Donc ici, j'ai 5 possibilités de 0 jusqu'à 4. De 0 jusqu'à 4. Ensuite, la dernière colonne, qu'est-ce qu'elle me dit? Ben, ma somme, vous voyez, quand je l'ai fait, alors il faut penser aux retenues, hein, c'est ça un peu le piège. Ici, regardez ce qui s'est passé. J'ai additionné donc les 5, j'ai obtenu un nombre qui finit par 4, j'ai placé ma retenue. Et j'ai refait la même somme, mais dans le désordre. Donc là, j'obtiens ici, eh bien, la différence. Eh bien, ça peut être quoi? Remarquez tout de suite, il y a une différence de 2. Donc la retenue est forcément de 2. Retenue ne peut pas être un de 12. Donc ici, c'est forcément 2 de plus. Donc ma retenue était 2. Ma somme vaut donc 24. Et c'est déjà terminé. On peut vérifier, hein. La somme vaut 24. Donc ici, je mets 4, je retiens 2. Ensuite, la somme au 24 plus 2, 26. Je mets 6, je retiens 2. La somme au 24 plus 2 donne 26. Donc c'est déjà terminé. C'est pas très très difficile. Mais on est quand même qu'à la dixième question. Onzième question. On vous dit que eh bien, 2x plus y égale 3. Combien vaut 3x plus 2y? Alors là, on n'en sait rien, c'est sûr. Pourquoi? Parce que ici, vous voyez, 2x plus y égale 3, ça veut dire que y vaut 3 moins 2x. Donc, si je fais une petite substitution rapide dans 3x plus 2y, ça fera donc 3x plus 2 fois 3 moins 2x. Donc, si je développe 3x plus 6 moins 4x, vous voyez ce qui aurait pu se passer, c'est que les x disparaissent. Mais ici, 3x plus 6 moins 4x, ça fait, il me reste 6 moins x. Donc, vous voyez, cette somme 3x plus 2y, elle dépend de la valeur de x. Si je prends x égale 2, ça fera 4. Si je prends x égale 3, ça fera 3. Donc, conclusion,
eh bien, c'est une valeur indéterminée. C'est la proposition E. D'accord? Donc la dernière. Douzième. Cinq pièces sont posées sur la table, tous côté pile. Alors, qu'est-ce que je vais faire? On va pas faire des... faire un dessin parce qu'il y a pile ou face. Donc, pile, si vous voulez, je vais mettre un petit trait comme ça. Puis face, je mets un petit trait dans l'autre sens. Pour dessiner, ça sera mieux. Donc au début, j'ai 5 pièces et je dois retourner à chaque fois, à chaque étape, 3 pièces. Hein, prise au hasard dans les 5. Hein, je peux même les choisir. Mais voilà, 3. Combien d'étapes au minimum pour que les 5 pièces soient toutes du côté face? Alors, on va essayer. Première étape, je retourne les 3 premières. Voilà. Deuxième étape, alors je ne vais pas retourner les trois premières parce que ça reviendrait au point de départ. Moi, l'objectif, c'est que tout soit donc côté face. Donc, tout soit comme les trois premiers. Donc, je vais maintenant retourner, par exemple, les trois derniers. Donc, ça, je n'y touche pas. Ici, je touche celui-là, je fais ça. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Eh bien, j'ai quatre piles, donc ça, c'est pas top. Donc, ensuite, ben, on peut essayer de retourner, par exemple, ceux du milieu. Voilà, qu'est-ce que j'ai ici? Si vous remarquez, ça ne me va pas du tout, hein, parce que là, je n'avance pas. Si je fais ça, par contre, c'est pas mal, vous voyez. Je peux retourner les 3 et après, j'obtiens. Donc là, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5 étapes. Il y a beaucoup mieux, bien sûr. Donc regardez, je retourne les 3 premiers, ça c'est toujours la première étape. Ensuite, j'avais choisi de retourner les 3 derniers. Là. Je vais retourner, par exemple, ceux du... milieu, regardez, ça donne ça, 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 ça et ça. Et là, eh bien, j'ai 3 piles que je retourne tous en même temps. Et donc ici, vous voyez, 1, 2, 3. Je vais quand même vous les montrer. Hein. Vous voyez ici, à cette étape, j'ai réussi à faire apparaître 3 piles. Donc je les retourne et on a terminé. Donc là, j'ai fait ça en donc 1, 2, 3 étapes. Donc déjà, ça veut dire qu'on peut faire mieux, peut faire 3 ou mieux. Donc ça élimine 4, 5 et 6. Il me reste 2 ou 3. Est-ce qu'on peut faire en 2 étapes? La première étape, c'est d'en retourner 3. Donc je vais considérer que c'est les 3 premières. Qu'est-ce que je fais à la deuxième étape? Est-ce que je peux finir au coup d'après? Bien non. Parce que ici, j'ai 1, 2 piles. Et donc je ne pourrais pas retourner ces 2 piles sans retransformer un face. Donc ici, ça n'est pas possible en 2 étapes. Donc, on va éliminer 1. Et comme on a réussi à faire en 3 étapes, la bonne réponse, c'est 3. Je vous la remontre avec des lettres, si vous voulez. Donc, au départ, j'ai pile, 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 pile. Je fais face, 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 pile, pile. Voilà, j'ai retourné les 3 premiers. Ensuite, je retourne les 3 du milieu. Donc, pile, pile, face, pile. Et vous voyez, il me reste 3 piles. Et donc, c'est terminé. Je les retourne. Et on a terminé en 3 étapes. 13e, 4 blocs parallélépipédiques, c'est pas facile à dire, hein, identiques, sont collés entre eux pour réaliser cette structure, voilà. Pour peindre exactement les 6 faces d'un seul parallélépipède, il faut un lit de peinture. Donc 6 faces, ben, alors, mais parallélépipèdes sont composés de 4 faces comme ceci, donc assez grandes, hein, d'accord, et de 2 petites sur les côtés. Et ça, donc, ça veut dire que 4 grandes plus 2 petites, ça fait 1 litre de peinture. Alors moi, je vais regarder ici combien j'ai à peindre. Alors je vais regarder, on va voir de haut, vue de bas, vue de face, vue derrière, vue de gauche et vue de droite, puis on regardera. Si on regarde vue d'en haut, d'accord, ça veut dire que voilà, je me place au-dessus. Qu'est-ce que je vois? Je vais vous le dessiner. Alors, rapidement, j'ai une grande comme ça, une comme ceci, et une comme ceci. D'accord, je vais... Vous avez donc le 1, 2 et 3. Donc j'ai en fait vu d'en haut uniquement 3 grandes longueurs à peindre. Maintenant je me place en bas. Je regarde par dessous. D'accord? Par dessous, donc ici, vous imaginez que je me place en dessous. Qu'est-ce que je vois? Bien, je vois exactement la même chose. Hein, avec donc 3 grandes longueurs à peindre. Il n'y a pas de différence. Hein, la vue est la même. Alors, ici, on va se placer vue de gauche, par exemple. Je vais vous la montrer à chaque fois. Donc, je me place ici et je vois lui, là. Donc, j'ai vu donc de gauche. J'ai ce petit carré que je viens, sur lequel je viens de mettre un point. Après, vous verrez lui, là. D'accord? Je vais mettre 2 petits points. Et là, vous verrez lui, 3 petits points. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit un petit point. Ensuite, on voit une grande longueur avec mes 2 points. Et au-dessus, ici...
On voit celle où j'ai mis 3 points. Donc vous avez ici à peindre deux grands comme ça et un petit rectangle. Je vais hachurer à chaque fois, comme ça vous le reconnaîtrez. D'accord? J'aurais peut-être pas dû ici mélanger la vue et ce que je vais peindre. Donc ça, c'est ce que je vois. Et donc ici, ça, c'est à chaque fois ce que je vais peindre. Alors maintenant, on va regarder par la droite. D'accord? Où je me mets côté. Donc comme si, imaginez, vous regardez par là. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez donc celui du haut. Voilà. Pareil, un au-dessous. Vous voyez un petit bout qui va dépasser. Vous avez bien compris? Ce petit bout ici là qui est derrière, vous allez le voir. Il est ici. Voilà. Et c'est tout ce que vous voyez. Donc on voit deux grands et un petit. Il me reste maintenant, donc ça les vues de droite. Il me reste vue de face et vue de derrière. Alors, vue maintenant de face. Donc vous regardez par là. Je vais nettoyer un petit peu ce que j'avais déjà dessiné. Donc vous allez voir lui. Vous verrez ces deux qui sont là. Et vous verrez ceci. Alors attention, ceci, c'est incomplet, parce que c'est une grande longueur moins celui-là. Donc, si vous faites la somme de ça et de ça, ça fait un grand rectangle à peindre. Donc, quand on fait la vue de face, on a ce grand rectangle, hein, mais qui se découpe en deux, et les deux petits ici. Et donc, deux petits carrés. Donc, vous allez voir ça. Voilà. Et ici, vous verrez ceci. Donc, vous avez un grand rectangle et deux. Voilà, ces deux-là, ce sont là, et le reste, ça forme un grand rectangle. Maintenant, vue de derrière. Alors, ça va être pareil, hein. On n'a pas exactement la même vue. Vous allez voir un grand rectangle, c'est lui. Cette fois-ci, il sera coupé, hein. Il ne sera pas coupé, je veux dire, ici, vous verrez entièrement, hein, ce qu'il y a derrière, là. Voilà. Et vous verrez les deux petits carrés qui correspondent à ceux-là. Donc, vous aurez ça. Et vous verrez, alors ils sont plutôt du côté gauche, vous verrez ceci. Voilà. Donc deux petits carrés à peindre, carré ou deux petits rectangles, et un grand. Au total, on a donc combien à peindre? 3, 6, 8, 10, 11, 12. Je vais noter ça en haut. Donc 12 grands rectangles, et 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 petits carrés. Alors, je vous ai dit, pour 1 litre, c'est 4 grands, 2 petits. Donc si vous multipliez par 3, avec 3 litres, vous faites 6 grands, enfin vous faites 12 grands et 6 carrés, donc c'est exactement ça. Donc il nous faut 3 litres, c'est tout. Donc réponse 13, c'est la réponse B. Après, il y a une autre façon de raisonner, de voir combien vous avez caché, hein, de face, hein, de partie, parce qu'en fait vous avez 3, vous avez 4 grands parallélépipèdes, donc ça veut dire que pour tout peindre, normalement il faudrait 4 fois, eh bien donc 1 litre. Moi, il faudrait donc 4 litres pour tout peindre. Et on va regarder ce qu'on a perdu. Hein. Qu'est-ce qu'on a caché? Alors, ici, je vais vous les montrer comme ça. Vous avez ici perdu un petit carré ici. Donc le voici. Ensuite, vous avez perdu. Là, vous voyez, quand vous avez ces deux choses-là qui se touchent. D'ailleurs, j'ai dit qu'on a perdu un carré, mais en fait, comme vous collez une pièce à une autre, vous avez perdu deux carrés. Ici. Vous avez perdu une face parce que vous posez deux parallélépipèdes l'un sur l'autre, donc vous perdez deux grands rectangles. D'accord? Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai aussi cette partie-là, vous voyez, ici, je perds ceci. Deux fois. Et comme on a dit, je perds ceci, mais c'est complété par lui. Donc, ça veut dire que je perds encore deux grands. D'accord? Et conséquence, rien perdu d'autre. Ici, j'ai donc perdu comme surface à peindre 4 grands et 2 petits carrés, c'est-à-dire exactement ce que j'avais dit pour peindre un parallélépipède. Et donc, ici, ça veut dire que vous avez 1 litre en moins à utiliser. 4 litres moins 1 litre, ça fait 3 litres. Donc, à vous de voir le raisonnement que vous préférez. L'important, c'est d'arriver au bout. 14e. Donc, une expression 1010 au carré plus 2020 au carré plus 3030 au carré divisé par 2020. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, déjà, vous pouvez remarquer que 3030. C'est 3 fois 1010. Et que 2020, évidemment, hein, c'est 2 fois 1010. Donc on va utiliser ça, c'est pas mal ça. Donc dans notre premier carré, on a 1010 au carré, je n'y touche pas. Dans le deuxième, je vous ai dit que c'était 2 fois 1010 au carré. Et dans le troisième, 3 fois 1010 au carré. On a toujours ici une division par 2020. Je vais enlever les parenthèses, donc j'aurai 1010
au carré plus. Alors quand on met au carré un produit, les deux facteurs sont au carré, donc 2 au carré 4. 4 fois 1010 au carré plus 3 au carré 9 fois 1010 au carré. Ensuite, dessous, je vais faire apparaître du 1010 parce que 2020, c'est 2 fois 1010. Donc, qu'est-ce qui me reste? En haut, des 1010 au carré, j'en ai 1, 5, 9 et 5, ça fait 14. 14 fois 1010 au carré divisé par 2 fois 1010. On simplifie déjà par 2, ça me fera 7. 7 fois 1010 au carré sur 1010, mais il reste 1010. Donc, ça fait 7070. C'est la réponse E. Donc, 14, réponse E. Pour ceux qui aiment l'algèbre, réponse plus générale, on prend x égale 1010. Donc ici on a x2 plus 2x au carré plus 3x au carré sur 2x, vous voyez, on développe. Des x carrés, j'en aurai 1, 4, j'en aurai 14x2 sur 2x. Et vous voyez, comme ça, on ne se traîne pas le 1010 tout le long de notre rédaction et on trouve 7x. 15e, les deux premiers chiffres d'un nombre de 100 chiffres sont 29. Alors, ça veut dire que mon nombre, donc c'est 29 ici, avec on sait qu'il y a encore 98 chiffres. Alors, si tous ces chiffres sont nuls, c'est le cas le plus, la valeur la plus petite, on aura ici, donc pardon, c'est de l'autre côté, si on n'a que des zéros, votre nombre, il sera égal à 29 avec ici 98 zéros. Et il ne peut pas être plus grand que vraiment c'est que 30 avec ici donc 98 zéros. D'accord, le plus gros possible, ça serait 29 9 9 9 9, hein, mais je préfère mettre un encadrement strict comme ça j'ai un nombre facile à mettre au carré. Parce que je vais mettre au carré après mon nombre ici il est entre les deux, c'est x, il est donc entre quoi et quoi? 29 avec 98 zéros, c'est donc 29 fois 10 puissance 98. Il est strictement plus petit que 30 fois 10 puissance 98. D'accord? Donc, ici, on va passer sur des nombres un peu plus bas. Je vais mettre 2,9 fois 10 puissance 99 et 3 fois 10 puissance 99. On est sur des nombres qui sont positifs. La fonction carré est strictement croissante. Donc, ça veut dire que ça veut dire que quand je vais mettre au carré, cela va conserver l'ordre. Donc, x carré est donc plus grand que 2,9. Alors, je mets au carré un produit. Donc, comme tout à l'heure, les deux sont au carré. 10,99 au carré, ça fait 10 puissance 99 fois 2, donc 198. Et là, j'aurai 3 au carré fois 10 puissance 198. Donc, 2,9 au carré, bon, je sais, hein, ça fait, on est un peu en dessous de 8. Donc là, on est entre 9 et 10 puissance 180. Alors 29 au carré, je vais quand même le faire. 29 fois 29. On va faire technique classique. Ici, 4, 2 fois 18, 36, 700 à 841. Donc ici, j'ai donc 8,41 fois 10 puissance 198. Bon, je suis donc entre 8,41 et 9 fois 10 puissance 198. Pour 29 au carré, on aurait pu aussi utiliser les identiques remarquables. 29, c'est 30 moins 1 au carré, donc vous voyez, ça faisait 900 moins 60 plus 1, donc ça faisait effectivement 900, enfin 800, pardon, 841. Voilà, ça peut servir les identiques remarquables pour faire des calculs comme ça rapide. Quand on est à 30 moins 1, ça va assez vite. Oui. Regardez exemple, hein, par 31 au carré, ben vous aurez 900. Plus 60 plus 1, ce qui fait 961, ça va très vite. Et maintenant, mais combien il y a de chiffres? Eh bien ça veut dire que c'est 8,41 avec un 1 et ici donc 198, 0 ici. D'accord? Donc si vous faites, ça fait donc, ça s'écrit à 8,41, etc. Vous aurez 198, 0 et ici donc, ben, votre 8, donc il y aura 199 chiffres. 199 chiffres. Pareil, 9 fois 10 puissance 198, c'est donc 9 fois un 1 avec 198 zéros. Donc vous avez ici un nombre à 199 chiffres. Donc la réponse, c'est la réponse B. Donc réponse 15, c'est B.
Question 16. Alors rappelez-vous, hein, c'est un concours de rapidité, donc c'est pour ça qu'il y a quelques questions quand même qui sont assez simples, mais il faut vraiment aller très vite. Ici, on lit 3 entiers x, y, z, une expression, laquelle ne peut pas être celle de t, ben vous développez instantanément. Avec les identités remarquables, vous aurez x2, moins 2xy, plus y2, et vous aurez comme ça 3 produits. Qu'est-ce qu'on remarque? Rien que après, en le faisant de tête, on s'aperçoit de quelque chose d'important. Chaque carré apparaît 2 fois, donc j'ai 2x2, j'ai 2y2, j'ai 2z2. Et après, vous avez double produit. Hein, donc ces doubles produits, ben, je vais tout de suite factoriser. Vous aurez xy plus yz plus xz. Et bien, vous voyez, tout est factorisable par 2. Et comme x, y, z sont des nombres entiers, et bien les carrés sont entiers, les produits donc sont entiers. Donc la somme que vous avez dans la parenthèse, ici, elle est entière. Donc votre nombre, c'est 2 fois un entier. Et 2 fois un entier, ben, ça ne peut pas être un nombre impair. Donc ça veut dire qu'il y a une réponse qui est évidente, qui n'est pas possible, c'est la réponse B, donc c'est 1. Ça ne peut pas faire 1, puisqu'on obtient obligatoirement un entier pair. Voilà donc pour ces questions, hein, de 9 à 16. On va attaquer ensuite les questions plus difficiles. Et voici ce qui vous attend pour les questions 17 à 20. Je souhaite bon courage pour ces petites énigmes. À très bientôt.